Eh bien oui, je suis fan des vinyles et je suis très content car depuis quelques années, les vinyles reviennent à la mode et j'en suis ravi. Et donc, pour une fois, je vais vous faire voir des 33 tours que j'ai achetés, donc récents, de la scène française, de la variété populaire française, que personnellement j'aime beaucoup. Notamment, j'ai acheté dernièrement le 33 tours de Renault, superbe. C'est le réveil et je m'anime. Je vais encore être à la bourre. Pour l'école qui est un peu le bagne. J'ai au moins 7 heures de cours. Cette année, on apprend Charlemagne. La légende du roi Arthur. On parle un petit peu de l'Allemagne. Tout ça, c'est un peu d'aventure. J'ai pas vraiment appris mes leçons. Pas fait les devoirs hier soir. À cause de cette télé à la con. Un prime time bien trop ringard. Je me suis couché un peu trop tard. En me disant, on verra bien. Finir par être en retard, gagner de la classe, malin. Donc double album avec illustration de PEF et à l'intérieur j'adore personnellement. Il y a des vinyles en couleur. Là je crois qu'il n'est pas en couleur, non, il n'est pas en couleur celui-ci. Il y a une petite bande dessinée dessus. Et donc l'album est super sympa. L'album vinyle, donc, je trouve que c'est un bel objet, très très bel objet. Donc dessin de PF comme je disais. Et avec cet album-là, vous avez le CD qui est vendu. Qui est vendu. Donc c'est plutôt sympa. Donc je l'achète en vinyle, je l'écoute en vinyle, mais je peux l'écouter également sur mon ordinateur. Deuxième chanson que j'ai acheté, deuxième album que j'ai acheté, pardonnez-moi, c'est Angèle. J'aime beaucoup Angèle. J'ai acheté le premier déjà, et là j'ai acheté le deuxième. En couleur, je suis fan de la couleur, je t'ai dit. Qui veut dire bazar en belge, hein, en patois belge, et donc le disque est en couleur rouge comme l'album. Donc là, moi j'adore. Et donc j'avais déjà le numéro 1. Le numéro 1, l'album est bleu, et de mémoire, c'est un double album. Je vais regarder ça tout de suite. Hein. Oui, c'est un double album. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes parlent mal de mes 18. Je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Donc, on peut l'ouvrir, vous avez des belles photos. Et l'album à l'intérieur, très très bien protégé. Je pose un prix. Il est bleu. C'est super. Avec une petite enquête en gel pour télécharger la musique. J'ai pu télécharger la musique. J'avais pas le CD, mais je pouvais télécharger la musique directement sur Internet. Ce que j'ai fait. Donc j'ai l'album sur l'ordinateur bien sûr. Par contre, ce n'est pas le cas dans le deuxième album. Et puis un petit album coup de cœur aussi, j'aimais beaucoup les Spice Girls. Donc ils ont ressorti celui-ci, avec une photo sur le vinyle.
il est super bien protégé. D'accord. Et donc vous avez une photo ici. Et plein de petites photos derrière. Voilà, j'ai des gens sur Facebook qui l'ont acheté, qui ont déçu du son. Moi, je trouve que c'est bien. Après, je ne sais pas. Mais bon, je suis content de cet achat. Et puis, il y a quelques années déjà, quelques mois déjà, j'ai acheté 3 cafés gourmands. Allez, partons en balade sur un navire, voguant comme des malades, fou de désir, de joie, de rigolade, la voile au vent, prêt à toutes les parades. Je peux couvrir tes sorties à balade. Moi, je peux mentir. Super bien protégé également. Donc, là, pas de disque couleur par contre. Mais avec une petite préface comme ceci. Et l'album est tout noir. Voilà. Mais un groupe que j'aime beaucoup et des chansons que j'aime beaucoup. Donc je recherche pas seulement les vinyles vintage. Et puis un des derniers que j'ai acheté pour les 40 ans du film Les Bronzés font du ski. Le 33 tours des Bronzés font du ski quand même. Toute l'équipe du Splendid ici, et le disque est en couleur. En couleur, de quelle couleur? Ah, et ben oui, blanche. Parce que, tant que la montagne est belle. Attends. Je vais voir. Voilà, tout blanc. Alors, il n'y a pas beaucoup de chansons, hein. Ça doit s'arrêter ici, hein. Mais c'est pas grave, c'est un bel objet. J'aime beaucoup. Donc, je l'ai ouvert. Vous voyez, j'ai le plastique qui est dessus. Je vais le laisser dessus, ça le protège. Et puis également, j'ai acheté ceci sur des conseils Facebook, qui a été édité juste pour le magasin Auchan. C'est la TV 90-90, pardon, les génériques. Et les disques sont en couleur, vous avez un rose et un bleu. Le 16e siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquérerait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas, au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Faire voir. Alors j'étais déçu, je pensais que c'était un double album. Eh bien non, vous avez deux disques dans la même pochette. Donc, vous avez le disque rose, comme ceci, plutôt joli. Et puis vous avez le disque bleu qui est un peu marbré. Je trouve très sympa aussi. On va essayer à l'ouvrir du bon côté. Voilà, avec la petite photo de la couverture, c'est pas mal. Bon, je ne sais pas si vous voyez, peut-être là, c'est marbré ici. C'est plutôt très joli. Et puis, j'ai pris aussi, il y a quelques mois de ça également, Eddie Mitchell avait fait des doubles 33 tours avec plein d'artistes invités. Donc j'avais le volume 1,
et le volume 2. Donc voici le volume 1. Cet amour mort à tout jamais. J'ai oublié de l'oublier. Double album. Bon, il s'ouvre, une belle photo de Michel. Les disques sont bien protégés avec des photos des artistes. Alors le numéro 1, voilà, moi je n'ai pas de disque en couleur. Avec le numéro 2, j'ai de la couleur. Pourquoi ? Pour qui ? Je ne sais pas, peut-être le hasard. Et le deuxième, avec la photo ici. Alors, je le pose, je le rangerai après. Je vais vous faire voir tout de suite le numéro 2. Le volume 2. Le papa dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. Pareil, on peut l'ouvrir avec une belle photo d'Annie Mitchell. Et là, par contre, les vinyles sont orangés, marron. Je trouve ça très, 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 très joli. À l'intérieur, pareil, vous avez des petites photos des artistes. J'ai même ça, la photo de la couverture. Bon, je pense que c'est une édition peut-être collector, je ne sais pas. Donc c'est le hasard. Et le disque est marron-orange. Hein, c'est plutôt, ouais, c'est entre le orange et le marron. Donc ça, je suis très fan des disques en couleur, de toute façon. Donc voilà. Voilà, je reviens dans le monde réel, voilà, dans la vraie vie, dans la bonne année. Et tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup le disque vinyle, je trouve que c'est un bel objet. Ce sont des belles photos, au détriment du CD qui, lui, est quand même plus petit. Enfin, moi, je trouve ça moins sympa. Donc, effectivement, c'est mes souvenirs d'enfance également. Mais bon, je craque aussi pour les groupes de variété française d'aujourd'hui. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, profitez de chaque instant. On ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Salut !